Attention. C'est beau, un monde qui joue la nuit. Tournoi de foot en nocturne qui réunit les étoiles des quartiers nord qui défient les constellations des quartiers sud. Quatre équipes des quartiers nord face à quatre équipes des quartiers sud en nocturne. Tout ceci regroupant des artistes, des musiciens, DJ, MC, breakers, graffeurs également. Et puis bravo à tous les champions qu'on va voir. Alors il en faut 4 à vous, 4 amateurs de balle. Que le meilleur gagne, je suis certain que ce tournoi qui a plein de valeurs, eh bien, il saura les montrer sur le terrain aussi. Merci Monsieur Richard Miron. Que le meilleur gagne naturellement et on veut beaucoup de fair play, chers amis. L'équipe des quartiers sud qui ont défié les étoiles des quartiers nord. Les constellations représentées par La Cayolle, Centreville, Mazargues et Herbel. Super vainqueur de cette deuxième édition Herbel qui ont défié hélas nos étoiles des quartiers nord avec en affiche et en tête la Viste. Consola dit les rebelles, la sélection des quartiers nord et la superbe équipe de fond vert. Pour cette édition, bien sûr, on a essayé d'innover et d'amener une touche artistique. Donc au niveau battle de danse, pendant le tournoi de foot nocturne, bien sûr, ben, pas mal de garçons, de demoiselles se défiaient en style hip-hop, break, b-boying, et j'en passe. Et on a eu la victoire de B-Boy Monkitsu, qui a été un super vainqueur de la battle de danse. Et en deuxième, B-Boy DJ. On s'est régalé. Alors là, on a eu des crews également. Waouh! Là, on peut dire merci à notre chorégraphe Benoît et notre MC Jabbar et notre super DJ Paki. Ah oui, on a été vraiment gâtés. Je tiens à remercier Sydney pour Bull Compte à Rebours Music. Superbe artiste, belle prestation. On avait NSD Crew en danse et Bionic en rap. Oh yeah, c'est beau, un petit joue la nuit. Cette manifestation était d'ouvrir notre site de la Viste avec ce superbe terrain synthétique. Les équipements qui sont et qui font partie aussi de notre site. De permettre à tous les quartiers de Marseille puissent être conviés à la fête, parce que c'est une fête. À Marseille, il n'y a pas de lieu ou de zone de non-droit. Le but étant qu'à Marseille, on sait s'unir, s'unifier et réussir des événements. Donc ça ne s'arrête pas qu'à la Viste, c'est ouvert à Marseille, voire hors Marseille. Donc je remercie également tous les participants, les habitants des autres quartiers qui ont joué le jeu, qui ont joué au foot. On a eu droit aussi à du football américain, à des initiations, à du street football. Merci à Sharaf, superbe animateur de street football qui a fait découvrir son art. Donc, habitants du quartier et hors quartier, vous êtes les bienvenus. Et vous avez contribué également à ce que la réussite de cet événement puisse perdurer. L'association ASMAC, nouvelle association qui a été créée en l'espace de 2 mois afin de proposer une manifestation qui permet de regrouper tous les habitants de la Viste, commerçants, partenaires. On a un super partenaire qui est le centre social d'El Rio à la Viste et qui nous permet justement de nous chapeauter lors de ces opérations d'animation culturelle, sportive, musicale, artistique et de découverte également, hein, parce qu'on a pu mettre en place des stands et des ateliers de jeux en bois. On a pu permettre de faire bénéficier aux habitants du quartier l'apparition d'un magicien qui a pu charmer tous ses habitants par ses tours de magie. On a pu également avoir
l'aide du conseil départemental pour bénéficier d'un château gonflable pour que tous ces enfants, garçons, filles, puissent s'éclater et passer des vacances ici dans la cité. Et puis, la surprise a été aussi la venue de Mickey et Minnie qui leur a permis d'avoir un rêve éveillé et que ça soit un monde féerique dans ces deux nuits nocturnes. Donc, ça ne s'est pas arrêté au football. L'aspect humain a grandement contribué et on est tous fiers, vraiment tous fiers, membres de l'association, de faire partie de cet événement. C'est beau, un monde qui joue l'aime. Merci à toutes les assos aussi également, fidèles partenaires qui ont couvré et œuvré pour cet événement. Je pourrais en citer, mais il y en a énormément. Nous et Evans, je remercie Zik Animation, Collectif South Popper. Oui. Les remerciements par notre sponsor Macron, qui nous a permis d'avoir un équipementier digne de l'événement. Et surtout, notre grand mécène, Dumez et Travaux du Midi, sans qui ce tournoi nocturne n'aurait pas eu lieu. Donc, encore merci et j'espère que l'année prochaine, vous serez également présents parmi nous pour nous permettre d'apporter encore beaucoup de joie et de bonheur. Car c'est ça, c'est beau, un monde qui joue la nuit, c'est ça. C'est la participation de tout le monde, le don de soi, la débauche d'énergie et aussi beaucoup de joie. Merci. Nous remercions, je remercie tous les bénévoles, membres qui ont contribué soit à faire la cuisine, à la mise en place, qui se sont démenés pour aller démarcher des partenaires privés, des sponsors privés, qui nous ont permis de récolter des fonds et de mener à bien cette manifestation. Donc oui, la viste, c'est vous. C'est beau un monde qui joue la nuit, c'est vous. Que dire, hormis merci et à l'année prochaine pour l'édition 2016-2017. Alors là, on va vous régaler. Oui, 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 je vous le dis bien, on va vous régaler. C'est beau un monde qui joue la nuit. N'est pas mort. C'est beau un monde qui joue la nuit, sa vie. Bénévole, rendez-vous. Oh yeah! S'il vous plaît.
fort, monsieur Louki. Sur le brassard. Alors. Monsieur Louki, veuillez présenter le trophée. Félicitations. Pour la Viste et son capitaine Pinel, qui était pas très loin du titre de meilleur joueur, il a été excellent. Donc on l'applaudit. L'année prochaine, peut-être que... Un petit mot pour le vainqueur. Votre titre. Vous êtes un bon vainqueur. Félicitations. À Armel.